C'est vraiment plaisant d'être assis dans le bois comme ça, par une super belle journée ensoleillée. On est bien. Beaucoup de moustiques, mais on est quand même très bien. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai envie de te parler d'inspiration. Souvent, on me demande où je prends mon inspiration pour peindre à tous les jours, travailler pour les gens, œuvrer pour les gens. Pour moi, c'est simple. C'est dans la simplicité du moment de regarder à l'extérieur, de voir les animaux, de regarder les plantes, d'aller en forêt, de marcher, le silence. C'est très inspirant pour moi d'entendre les oiseaux, de me concentrer sur les bruits extérieurs de la nature pour amener justement un silence bavard à l'intérieur de moi. C'est une drôle d'analogie de dire un silence bavard, mais c'est ma façon de dire que quand on écoute à l'intérieur de soi, on a toujours beaucoup d'enseignements qui viennent nous chuchoter à l'oreille des choses pour notre bien-être, pour justement notre inspiration. On entend les oiseaux, on entend le vent. On relaxe, puis on revient au centre de notre être, au cœur de qui on est. Puis c'est là que moi, je puise toute mon inspiration, dans la beauté, dans le partage de la beauté, dans cette communion-là avec la nature, puis avec la contemplation. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager cette contemplation-là. Sans toujours parler et dire beaucoup de choses par-dessus les images que je vous partage, parce que j'aime aussi qu'on puisse prendre le temps de relaxer, de contempler nous aussi à notre façon. Je trouve que le silence est très enseignant. Donc, dans ce partage, j'ai eu l'occasion de filmer beaucoup d'animaux, de belles captures de moments de grâce. Moi, j'appelle ça comme ça, des moments où on ne s'attend pas à ça. Et puis là, tout à coup, il y a un chevreuil qui arrive ou qui est là, puis qui est caché. Puis à un moment donné, il se montre à toi. C'est comme un cadeau. Pour moi, c'est ça l'inspiration. C'est ça qui amène à la beauté, qui amène au ressourcement, au bien-être, au bonheur. Pour moi, c'est pas dans la grande consommation ou quoi que je juge pas les gens qui ont besoin de ça au moment où ils sont en ce moment dans leur vie. Tout est parfait. Il n'y a pas de meilleur chemin qu'un autre parce qu'on est unique, on a tous notre propre chemin, notre propre vérité à suivre aussi. Puis ça, c'est important, de croire en sa propre voie intérieure. Moi, ici, tout ce que je souhaite, c'est partager un chemin qui mène vers soi pour que, peut-être, si tu as de la difficulté à trouver l'inspiration, ou si tu as des moments de questionnement, de doute sur ton chemin, peut-être qu'en écoutant ces paroles ou en voyant ces images, ça va t'aider à revenir vers le centre, vers ce que tu aimes vraiment, ce que tu aimais quand tu étais enfant. Parce que tout ce qu'on aime quand on est enfant revient vers nous simplement au courant de notre vie, dans tous les passages dans lesquels on se retrouve. Moi, j'ai toujours aimé le bois. Et puis ici, ce que je te partage aujourd'hui, c'est le bois, la forêt dans laquelle je venais jouer quand j'étais petite. Aujourd'hui, elle est sous la garde d'un de mes amis d'enfance. J'aime dire « sous la garde » et pas nécessairement « elle appartient » parce que je pense que la personne à qui cette forêt-là est sous la garde est vraiment aussi dans une forme de contemplation de la nature, puis un respect de la nature. Le bois est demeuré quasi inchangé, respecté, très beau.
Donc, je suis vraiment contente aujourd'hui de pouvoir revenir et puis le marcher et l'apprécier à nouveau parce que c'est ici, quand j'étais petite, que je m'amusais là, à voir dans l'imaginaire, à voir dans l'énergie, à écouter la forêt, à rentrer avec respect dans la forêt, à justement respecter toute la vie qui est ici et à essayer d'apprendre de cette beauté-là, de revenir dans l'esprit de la simplicité. Pas de la simplicité d'esprit, mais de la simplicité du geste, de la pensée, du cœur. Donc voilà, alors je te partage ces belles images-là en espérant que ça va te faire du bien. Puis en moi me permettant de retrouver ma petite fille intérieure pour aller me ressourcer. Donc on se reparle tantôt. Ciao! Toutes ces belles apparitions d'animaux devant la lentille de ma caméra m'ont donné l'inspiration de peindre. Aujourd'hui, j'œuvre pour une jeune femme. Je peins sa peinture de l'âme et dans ma vision au tout début pour elle, j'ai vu un blaireau. Donc c'est ce que je vais peindre ici à l'instant. Peindre un blaireau est toujours amusant parce que je trouve son petit museau tellement mignon. J'aime tous les animaux profondément, mais j'ai un petit faible pour le blaireau et sa grande médecine. Vous savez, il nous apporte beaucoup d'enseignements. Et si on s'arrête un peu et que l'on porte une attention particulière à son comportement,
on voit beaucoup de choses. Blaireau vit sous la terre. C'est donc là qu'il a accès aux racines de Maman Terre. Il nous amène donc à un savoir et un intérêt pour les plantes qui soignent. Il n'a toutefois pas de très bons yeux, comme il vit dans le noir toute la journée et qu'il ne sort qu'à la tombée du jour pour se nourrir. Malgré cela, son nez lui procure toutes les informations dont il a besoin pour se nourrir et se protéger. Il possède un odorat formidable et nous apprend donc à ressentir et à sentir les énergies autour de nous. Il est un animal qui se défend contre ses ennemis avec voracité. Il nous montre ainsi à garder notre dynamisme et à relever nos manches pour obtenir ce que nous désirons, à mettre les efforts jusqu'au bout. Blaireau ne panique pas, il agit. Donc, on voit le blaireau rarement par hasard dans la nature, comme tous les animaux d'ailleurs. Il porte à notre regard une médecine ancestrale qui n'attend plus qu'une vision du cœur pour être découverte et enseignée. Peindre les animaux m'a appris leur médecine respective, mais aussi leur grande sagesse. Morale de cette histoire, Blaireau te dit, agis et fonce vers ce que tu aimes. Ne lâche pas, poursuis ton rêve. Va te ressourcer au centre de toi, là où toutes les racines de ton être pointent vers ton cœur pour l'alimenter. Deviens action, en respect avec ton être, et ainsi pourra jaillir de toi les idées et les opportunités que tu attendais depuis longtemps. Comme nous sommes tous reliés, l'énergie du blaireau vit aussi en toi quand tu en as de besoin. N'est-ce pas magnifique, la médecine des animaux? C'est vraiment fantastique. Je mets la touche finale à ce petit blaireau tout mignon et je t'amène avec moi à Québec où je me suis inspirée d'une toute autre façon. En parlant d'inspiration, je viens aujourd'hui au superbe musée de la gare à Québec. Puis on va aller voir l'exposition Imagine Monet. Donc derrière moi, il y a plein de bateaux. Je vais essayer de vous filmer ça un petit peu. Puis de l'autre côté, devant moi, on voit la ville de Québec avec le château Frontenac. Donc, c'est vraiment super beau. Puis, on est chanceux parce que aujourd'hui, il annonçait beaucoup de pluie. Toute la journée, des grosses prévisions de pluie. Puis, on a vraiment un éclairci pour aller visiter le musée puis marcher un petit peu. Donc, ça va être super. Un petit bout du château Frontenac, juste là, juste ici. Voilà. Je suis sûre que ça va être vraiment super beau.
Je viens de sortir de l'exposition de Monet. C'était extraordinaire. C'était tellement beau. Je vous ai partagé des images pour que vous puissiez voir vous aussi cette beauté-là. C'est tellement important de se donner le temps de voir la beauté, de s'imprégner, de s'inspirer. Oh, c'est vraiment beau. J'espère que tu as apprécié toi aussi. Je me suis trouvé une petite place pour filmer juste entre, sur le quai, entre les petites crottes de moineaux. Il y en a beaucoup. Donc, je vous partage ce que je peux voir sur le bord du fleuve. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'aimerais te demander, toi, qu'est-ce qui t'inspire, te nourrit au quotidien? Tu peux répondre dans la section des commentaires sous cette vidéo. Tu peux aussi me poser des questions et me dire ce dont tu aimerais que je te parle dans mes prochains vlogs. Prends soin de toi et on se revoit bientôt.